Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur F1 2024. Enfin, c'est eSports. F1 24 maintenant, avec l'accent de mort comme d'habitude. Alors, on est sur la version d'essai, sur le EA Play, donc sur le Game Pass. Moi, je crois que j'ai joué au 22 la dernière fois que j'y ai joué. Alors là, apparemment, il y a pas mal de nouveautés dans la carrière, dans. J'aurais dû faire ça avant, bordel. Dans la carrière, dans le moteur physique, enfin tout ça, il y a pas mal de nouveautés pour rendre le truc plus réaliste, etc. Bon, vous ne vous enleviez pas, mais ça, j'avais oublié qu'on était obligé de se taper cette merde à chaque fois. Donc voilà, après moi je suis pas grand connaisseur des F1, vous voyez bien de toute façon sur la chaîne, il n'y a pas. Oui, si tu veux. Mixage mono, non. Anti-acouphène, machin. Chat vocal, adios. Continuer. Ça bien qu'on puisse jouer. Donc ouais, comme je vous disais, je vous fais pas de. En général, je vous fais pas de vidéos sur les F1 parce que c'est pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Restez en action, profitez de votre essai. Cliquez. Mais je veux pas cliquer ici pour acheter, j'ai même pas joué encore. Donc, on a quoi? Salle de projection, paramètres. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? Faut remettre standard. Parce que j'ai pas envie non plus que ça freine à ma place. Aide au freinage. C'est quoi? Le jeu vous aide en freinant automatiquement. Dans certaines zones, non, ça je veux pas que ça freine à ma place. On va laisser les autres aides parce que du coup, étant donné que je joue pas. Je joue pas au jeu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Priorité graphique, qualité. Ah là aussi, on a quand même la qualité visuelle ou la performance entre qualité et performance. On va voir ce que ça donne en qualité. Si ça tourne en 30 FPS ou pas. Parce que si c'est 30 FPS, bon, c'est un peu gênant. Et puis, vous savez quoi? On va aller se lancer dans le début de la carrière. On va aller regarder ce que ça donne. Carrière pilote, carrière mon écurie. Ah, c'est bien. Prenez le contrôle de votre propre écurie et piloter pour elle. Découvrez si vous avez suffisamment de talent. Carrière de pilote et carrière défi, c'est bien ça en fait. Je sais pas si c'est nouveau du coup, mais c'est assez complet. Carrière de pilote, commencer en F2 ou passer direct en F1. Bon, pour la vidéo, on va passer en F1, on va faire saison complète. Paramètres recommandés, ouais, allez, fous-moi la paix. Paramètres recommandés. Confirmer les paramètres et on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors on va pas personnaliser un pilote pour la vidéo. Je pense que ça va ressembler à ce qu'il y a dans FIFA. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, Hamilton, tout ça, ils sont bien faits quand même, hein. Je suis pas un gros connaisseur de F1, mais je connais. Après, je connais un petit peu, comme beaucoup de gens, je connais les bases, quoi. Lando Norris. Ah, ils sont bien foutus quand même. Pierre Gasly. Bottas. Magnussen. Je connais quand même. Au fait, je me rends compte que je connais quand même pas mal de gars. Bon, vous savez quoi, déjà que je suis nul. Alors, on va aller Évidemment, prendre pas besoin de Verstappen. présenter ton équipe. Ouais. En Allez. France, tu peux voir les performances actuelles de cette équipe. On La renommée va. est un système multiple. On va passer quand même les détails. Confirmer les paramètres. Monaco. Oh. On aurait pu commencer plus simple quand même que Monaco. Ça aurait été cool. Ah, c'est peut-être pas. Oui, j'ai cru qu'on commençait par le Grand Prix de C'est quoi Monaco. là? On passe aux C'était il y a choses pas longtemps en sérieuses. plus. Désolée pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, maître, non, maître, et on se retrouve avec 80 pages de jargon inutile. En tout cas, crois-le ou non,
Je suis finalement satisfaite. Vraiment, sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Alors, toutes les clauses habituelles, merchandising, apparence, blablabla... Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça dans FIFA ? Au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Ça c'est parce que les gens de toute façon ils jouent que au mode... Le seul mode auquel moi je ne comprends rien, enfin je comprends pas l'intérêt, c'est FUT. Maintenant, à toi de jouer. Le mode de jeu où celui qui sort sa carte bleue a l'avantage sur les autres, mais tout le monde joue à ça. J'avoue, je... Ça n'a rien de réaliste, okay. C'est... Nous y voilà. Il est l'heure de négocier ton contrat. Comme ta carrière évolue, l'écurie attend une réelle progression. Et moi aussi. Tu vas recevoir ton objectif contractuel. Comme ça, l'écurie, toi et moi, pourrons suivre tes progrès. D'accord. Tu peux consulter tes notes actuelles avec ta note globale, indiquée en haut de la page. C'est cette valeur qui sera utilisée pour fixer ton objectif contractuel. Ce serait bien qu'il y ait ça dans FIFA, que ce soit un peu mis en scène comme ça. Lors de chaque week-end de course. Ta note actuelle fait office de point de départ. Déplace le curseur pour fixer ton objectif de la saison prochaine. Un objectif plus élevé implique que tu dois avoir une certaine régularité dans tes résultats à chaque week-end de course, mais t'octroie davantage de renommée à la signature. Voici l'endroit où tu peux découvrir ta renommée auprès de l'écurie. Plus tu fixes un objectif élevé, plus tu obtiendras de renommée au moment de la signature. Et plus de renommée, c'est un meilleur développement de ta monoplace, donc une voiture plus rapide. Tu vois le topo. Eh oui. Le problème, c'est que si tu n'atteins pas ton objectif, tu perdras ton bonus de renommée. Alors, reste raisonnable. Tu trouves un contrat plus bon. T'octroies un bonus de... Oh, allez, on y va comme ça. On change rien. Signé. Allez, on y va. De toute façon, c'est vraiment une découverte, on va pas se prendre la tête à aller voir tous les paramètres et tout. Je vous laisserai faire pour ceux que ça intéresse, vraiment. Je vous laisserai regarder vous-même. Bah, c'est une belle maison. Avant ta première course de la saison. Tout au long de ta carrière, tu vas recevoir un tas d'informations importantes. Jette un œil à cet onglet entre deux courses pour prendre connaissance des messages reçus. D'accord. On dispose également d'une super équipe de spécialistes qui vont nous consacrer une partie de leur temps cette saison. Va te présenter dès que tu auras un moment. Promis, l'équipe est sympa. Tes données de pilote comportent toutes les informations importantes relatives à tes distinctions, contrats, rivalités et notes de pilote. Garde un œil dessus tout au long de la saison. Salut. La R&D, ça c'est bien. Je suis l'ingénieur pour la saison qui s'ouvre. Et je suis hyper content de bosser avec toi. Dès que tu seras disponible, rejoins-moi en R&D pour discuter du développement de la voiture. À très vite. Ok, bon. C'est assez classique, mais... Nouvelle rivalité. Sergio Eto'o fait désormais partie de la même écurie. Vous devez faire preuve de professionnalisme sur la piste, ce serait bon pour toi. Montrer à l'écurie qui occupe le rôle de pilote numéro 1. Une nouvelle saison, ok. Ton équipe de spécialistes, ok. Spécialiste. Ouais. Forme une équipe d'experts qui va collaborer avec nous à temps partiel afin de maximiser la recherche et le développement au sein de l'écurie. Les spécialistes te proposeront des objectifs à atteindre lors de chaque week-end de course. Remplis ces objectifs pour améliorer ton niveau relationnel avec les spécialistes. À mesure que ce niveau augmentera, tu recevras des avantages qui amélioreront leurs compétences en R&D. Ok. Le titre et le niveau de chaque spécialiste s'affichent ici, ainsi qu'un message qui indique si des objectifs sont disponibles. Sélectionne les spécialistes pour faire apparaître un écran qui détaille les avantages et les objectifs qui leur sont associés. Sélectionne ensuite un ou une spécialiste disponible pour voir ses prestations. Ok. Donc là, on a un objectif disponible, donc... Chaque spécialiste dispose d'avant... Allez, lâche-moi. Tu peux afficher les objectifs que tu as Ouais. Allez. Ouais, on va choisir cet objectif. Cette icône représente ton ou ta spécialiste...
Ouais, c'est ça. Donc l'objectif fixe est d'accord. Bienvenue Ensuite, dans l'objet donner. compte. Par contre, elle va Donc, nous faire chier à chaque fois, c'est elle, ici. là. Voilà, on va passer un peu parce qu'on n'avance pas. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Parlons un peu Donc R. là, ouais, on a la Voilà. R&D. Ton coéquipier et toi pouvez acquérir des améliorations. Voici l'endroit où tu peux voir. Ouais, vas-y. Sélectionne une amélioration pour afficher rapidement des. Ah, vous voyez, si on lui demande d'accélérer, il y a un taux d'échec plus important. On va faire ça. En développement, le véhicule. Après, c'est là qu'on aura certainement nos pièces quand on aura amélioré des trucs. Et puis, regardez, il y a la durée de vie estimée du moteur, etc. Ok, bon. On va accélérer le calendrier. Révélation de la grille pour la nouvelle saison. On y va. Ça va être une vidéo un petit peu longue, hein, parce qu'on est déjà à 11 minutes. Ce serait bien qu'on voit un petit peu de gameplay quand même. Ce serait pas mal. On voit les équipes. Est-ce qu'ils font ça en vrai au début de la saison, une photo ou un truc comme ça? J'ai jamais vu. Après, je vous ai dit, je suis pas gros connaisseur de la F1, je suis pas trop avec une voiture compétitive. C'est pas de développement. Ouais, t'inquiète. Passer à aller à l'allocation des pneus. Passer au week-end de course. Allez. On va pas trop perdre de temps non plus. Sélection de gomme, ok. Ça travaille, hein. Après, faites pas trop semblant non plus. Poste de travail. On est obligé de faire tout ça. Bon. La C'est salle de course a terminé. un peu ce qui me Une fatigue, nouvelle moi. saison s'ouvre et avant le début du grand spectacle, place à la séance d'essais libres tout aussi importante. Heureuse de vous retrouver. Quel plaisir d'être ici pour une nouvelle saison. Les pilotes ont mille choses auxquelles penser au moment où je vous parle. Plus vite vous adaptez votre voiture aux conditions du circuit et à vos sensations, et mieux ça sera. Ensuite seulement, vous pourrez vous concentrer sur vos chronos. Mais la priorité, c'est d'abord d'affiner les réglages de la voiture. Ouais. Toutes les petites mises en scène et tout, c'est bien fait. Info séance. On peut accélérer le temps, s'il vous plaît. Prendre la piste. Apporter des changements au fonctionnement de l'ERS cette année.
Tu as désormais le choix entre plusieurs modes en course. Teste-les tous sur ton AMF pendant les séances d'essai. Oh, commencez pas à me demander à tester des trucs en plus. Pour en discuter avec toi. En plus de piloter déjà, parce que ça va être déjà compliqué. Alors s'il faut en plus que je commence à regarder l'écran de la bagnole et tout pour faire des trucs. On n'a pas fini, je vous le dis. Hein. On va essayer déjà de piloter à peu près correctement. Bon, j'ai des aides d'activer, donc ça devrait quand même aller, mais c'est un peu particulier le gameplay des F1. Parce que là, faut bien freiner avant et bien braquer. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est évolutif. On peut commencer comme moi avec des aides et puis après, petit à petit, en enlever. C'est d'ailleurs souvent ce que je fais sur ce type de jeu. Il n'y a que les jeux de moto où réellement, j'y arrive pas. C'est un truc de fou, je sais pas. C'est... Bon, mon cerveau veut pas. J'y arrive pas. À part les jeux qui étaient super arcade à l'époque, les motoracers et tout, mais sinon... Vraiment, les jeux de moto, j'y arrive pas. Bon, c'est pas mal, hein, pour l'instant. Après, je ferai peut-être des cuts, histoire de passer directement à la course et tout, que la vidéo soit un peu moins longue. Ah oui, j'ai fait vitesse de pointe, pour l'instant je suis premier quand même. Oh là là, j'ai pris un peu large. Pas grave, on va prendre le vibreur, c'est pas très grave. On va essayer de faire ça quand même à peu près propre, histoire que la vidéo soit regardable. Parce que c'est vrai que même si c'est marqué découverte et que les gens, du coup, sont censés savoir à quoi s'attendre, c'est un peu chiant quand même quand tu regardes une vidéo où le gars, il prend pas un virage sans aller dans le sable. Je me souviens à l'époque, bon, c'était il y a longtemps, hein, c'est quelqu'un que je suivais. Il avait fait une vidéo, c'était sur... Comment ça s'appelle? C'était Grid Autosport, c'était à l'époque, je crois. Et il prend pas un virage sans sortir de la piste, sans créer un accident, sans aller dans le sable et tout. Et il s'étonne d'être 11e ou je sais plus à la fin de la course. Et il nous dit que la difficulté par rapport au Grid 2, elle est plus élevée. Bah non, en fait, t'as pas pris un virage... sans aller voir le sable ou créer un accident. C'est pas que le jeu il est plus dur, c'est que t'es... juste tu maîtrises pas, quoi. C'est tout. Ouais, il y a le DRS, mais je sais pas où est la touche. Là, on a tous les... J'ai ouvert le menu avec les réglages, mais je sais pas... Voilà, attends, j'étais occupé en train de regarder le menu, là. On a d'autres caméras, normalement. Ah, attendez, je suis plus du tout concentré sur la piste là. Moi, je veux faire la course. Et des essais est désormais terminé. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. T'inquiète. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Fernando Alonso part en pole position, suivi de Sergio Pérez. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Russell, Leclerc, Hamilton,
Sainz, Oscar Piastri, Albon, Zhou, Stroll, Bottas, Tsunoda, Gasly, Ricciardo, Hülkenberg, je dois partir à la fin. Magnussen, Sargent et Max Verstappen complètent la grille de départ. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles opportunités. Mais je vais d'abord vous poser une question, Jacques, la même que l'année dernière. Est-ce que quelqu'un peut arrêter Max Verstappen ? L'ensemble de ses adversaires espère vous apporter une réponse positive, et on l'espère secrètement nous aussi, parce qu'on n'a pas envie de voir un pilote et une écurie régner sans partage sur la saison, comme l'an passé ou certaines années précédentes. Peut-on espérer voir 2, 3, voire 4 pilotes se disputer la victoire aujourd'hui ? Croisons les doigts. Fond de la grille, voyons. Allez. Attends jusqu'au départ. Prépare le moteur, monte dans les tours et attends. Embraye, c'est bon. C'est pas mal ça. Et je sais toujours pas comment on... Comment on change de caméra, hein. Ah putain, attendez. Recommencer. On est au fond de la... On peut pas voir paramètres, les commandes. Comment on change de caméra? Commandes et vibrations. Accélérer, freiner, mettre en pause, machin, ok. Caméra suivante, bah alors. Activer, désactiver le DRS, c'est Y. Elle est donc la caméra en... Bah ouais. Ah, vous vous rendez compte quand même que je suis obligé d'aller paramétrer une touche pour changer de caméra. Voilà, voilà. Bon, ça, moi, c'est pas possible, ça non plus. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Voilà, après, là, c'est le moment un peu plus compliqué. C'est quand t'as tous les concurrents sur la piste, parce que faut pas jouer à se rentrer dedans, évidemment. On va essayer de faire une remontée, mais en jouant correctement. Et puis, bah, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais au moins, on va essayer de jouer correctement. C'est bien les indicateurs, là, les flèches sur les côtés. Hop, hop, hop. Bon, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas finir dans le bac à sable, là, à chaque virage, déjà, c'est de vous faire un truc à peu près propre. Bon, je suis pas censé avoir une voiture qui booste un peu, là, normalement. Bon, parce que Verstappen, c'est un pilote extraordinaire, on est d'accord, mais il a aussi la bagnole qui va, hein. Hop, on va le bloquer. On va essayer de remonter gentiment. En plus, faut prendre un paramètre en compte, c'est que... En tournage de vidéo, mais ça, tout le monde, beaucoup de gens le disent, c'est que... En même temps, on est aussi concentré sur le micro, sur la caméra, sur ce qu'on dit, sur... C'est moins facile que de jouer tout seul dans son coin. On va essayer de prendre l'intérieur, là. Et on va le bloquer. Ah, par contre, je pilote comme un salopard, hein. Ça... Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Pardon.
Bon, je sais pas comment sont réglés les dégâts. Ni comment est réglée la difficulté, j'ai pas regardé. Mais franchement, c'est pas mal. Après, moi, si on peut se passer les... Si on peut se passer les essais, les machins, et pas tous les faire... c'est un jeu que je trouve sympa, comme ça... Au premier abord, doucement. Pas de collision, s'il vous plaît. Essayons de bousculer la hiérarchie si possible. On te fixe un nouvel objectif. Mets les gaz. Oh. Calmez-vous quand même avec les objectifs. On va déjà essayer d'aller au bout de la course sans rien casser. Ah, franchement, ça... Ça se prend bien en main. Moi, je trouve bien quand même que ils ajoutent la possibilité quand même d'avoir quelques aides au pilotage pour démarrer et qu'on puisse les enlever petit à petit. Parce que là, je sais plus à quoi j'ai joué. Une fois, j'ai joué à un jeu comme ça. Soit t'avais le truc qui freine à ta place et tout, il y avait la totale. Soit t'avais quasiment rien, mais tu pouvais pas personnaliser vraiment les aides pour les enlever petit à petit, quoi. Pour l'intérieur. Ouh, les vibreurs, je me suis fait peur là. Après, je freine un peu tôt à chaque fois, mais c'est parce que j'ai peur de rentrer dans le cul du mec devant moi. Allez, on va essayer de remonter encore. Hein. J'aimerais bien remonter top 10. Au moins. Oh là là, bon là c'était très dangereux ce que j'ai fait. C'était pas très propre. Après, on va pas trop aller toucher au menu avec les réglages, là, comme tout à l'heure, parce que vous avez vu, dès que j'ai commencé à mettre mon nez dans le menu, j'ai fait n'importe quoi, sortie de piste. C'est pas possible pour moi. En tout cas, aussi, c'est fluide. Hein. Bon, j'avais pas trop de doutes, mais du coup, je sais pas ce qu'apporte le mode perf. Peut-être que c'est 120 images secondes, le mode perf, si vous avez la télé qui va. Je sais pas, j'essaierai de mon côté voir la différence. Après, on est sur un circuit, donc automatiquement, là, il n'y a pas de ville autour et tout, c'est un peu vide, c'est un désert, donc automatiquement, autour, il n'y a pas grand-chose, mais les lumières sont... La gestion des lumières est sympa, c'est assez joli. C'est pas mal. Il y a des gens qui critiquent apparemment le fait qu'ils utilisent toujours leur moteur Ego. Mais sauf qu'eux, ils disent... Ouais, mais les gens, en fait, ils critiquent parce que c'est un moteur qu'on utilise depuis très longtemps. Sauf que ce moteur, en fait, il a évolué. C'est pas la même version. Technologiquement parlant, il évolue. Donc en vrai... Et puis c'est un moteur qu'ils maîtrisent... moi, je trouve que les fans de F1 sont pas volés. Hein. Par rapport aux fans de rugby ou... Bon, je viens de casser un truc. Aux fans de rugby ou aux fans de hand, par exemple, qui ont un jeu tous les 3, 4, 5 ans, et en plus, c'est un jeu de merde, très souvent. Ah, les fans de F1, ils ont un jeu tous les ans, et en plus, ils ont un bon jeu, quoi. Ils sont pas volés. Pardon pour le coup dans le micro.
Hein, je trouve ça... Hop, à l'intérieur, je trouve ça plutôt bien. Il y a Hamilton devant, là. On va essayer de... J'allais dire, on va essayer de prendre l'intérieur, mais non. Hop. Drapeau à Dami, on arrive à la fin. Bon, bah si, voilà, sur des phases comme ça, là, ça se met à ramer à 30 images secondes d'un coup. Mais c'est sur la fin, quoi. C'est juste au moment où on passe la ligne. Où, voilà, bon, bah je suis quand même bien remonté. Hein. J'ai pas gagné la course, mais... Quelle belle journée pour Fernando Alonso qui fête sa victoire, et quelle victoire! C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui, l'objectif est largement atteint. Avec ce résultat, l'écurie Aston Martin prouve qu'elle peut être compétitive face aux mastodontes de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur. Ouais. Bon, bah voilà. Après, on prend des boosts d'XP, machin. Et encore un week-end ponctué par une course fantastique. Ah, Sergio Pérez, il était deuxième, il est resté deuxième. Rendez-vous sur le prochain circuit. Moi, j'étais 20e, je suis remonté 5e quand même. Écoutez, on va faire ça, et puis on va... On va s'arrêter là-dessus, hein. Comme ça, on va voir le replay, ce que ça donne. À l'époque, souvent, ils faisaient ça dans les magasins de jeux vidéo, genre de quand la PS2 était sortie, qu'il y avait Gran Turismo qui tournait. Ils faisaient tourner des replays comme ça, et nous, on regardait ça avec la PS1, la N64, et on voyait ça, PS2, GameCube, Xbox tourner, et on se faisait « Waouh !» Parce que ça n'avait rien à voir, quoi. Mais c'est plutôt pas mal, là. Je trouve que c'est plutôt joli. Écoutez, et puis c'est fluide, surtout. C'est ce qu'on demande. Donc, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ce sera certainement aux alentours du 6-7 juin. Peut-être 8, même, parce que c'est un jeu qu'on va faire à 3. Je vous dis pas ce que c'est. Mais on se retrouvera certainement là. Je sais pas s'il y aura autre chose entre deux. Je suis pas sûr. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.